Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce vendredi soir sur Mass Effect Legendary Edition épisode 3. Et du coup, bon, on va faire la quête Abyss Green Tech que j'allais chercher d'infos, j'ai pas trouvé, mais en regardant la semaine dernière les planètes, ou plutôt les systèmes, y en avait un qui se rapprochait pas mal niveau nom. Voilà, donc je sais pas si j'y étais ou pas la dernière fois où je l'ai pas vu. Et de mémoire, c'est une vieille quête. Celle-ci. Après, est-ce que je voudrais pas plutôt scanner le reste? Ah, j'ai pas beaucoup de ressources. De toute façon, c'est à dire que je pourrais pas faire grand chose. J'ai trouvé quelque chose. Et... ok, donc en fait c'est ridicule. Esquive réussie. Ok, donc je ne pourrais pas la faire tout de suite. Bon, on va faire le tour de la citadelle, du coup. Excusez-moi, j'avais eu un mail comme quoi je devrais passer faire un petit coucou à Miranda. Tac. Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport? Et non. Je m'en charge. Oui, commandant. Non, non. Miranda m'a dit qu'elle m'attendait à l'accueil. Shepard. Oui, bah oui, ça je t'ai vu, t'inquiète. Commandant Shepard, ça fait bien trop longtemps. On vit à une époque intéressante. Un peu trop intéressante. Je ne pouvais pas m'approcher de vous tant que l'Alliance vous avait enfermé. Mise à pied. C'est compliqué. J'en suis sûr. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas envoyé en cour martiale. L'Alliance n'est pas connue pour sa souplesse. Ça n'a plus d'importance. Shepard, à propos de la Terre... Des fosses entières ont perdu la vie en quelques minutes. Les moissonneurs sont notre plus grande peur. Ils auraient dû vous écouter depuis longtemps. Je suis désolée, Shepard. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite? On a un plan, mais c'est loin d'être gagné. Comme c'est étonnant. Shepard? J'ai une affaire personnelle dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana depuis un moment. Je m'inquiète. Votre sœur? Oui. Je ne veux pas exagérer, mais... il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais... ça a un rapport avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'avais tout fait pour être sûr qu'elle soit en sécurité, mais je n'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est gentil, Shepard. Mais vous avez déjà beaucoup à faire. Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux, je saurai où vous trouver. Mais pour l'instant, ça va. Ok, je comprends. Je dois éclaircir tout ça. Je vous fais confiance. Vous n'auriez pas croisé l'homme trouble par hasard? Juste une fois. Il a dit qu'il a été ravi de travailler avec moi. Mais il fallait qu'il maîtrise la situation. Qu'il maîtrise la situation? Ça a l'air radical. Ça a failli l'être. Il ne gère pas très bien le fait d'être rejeté. Ça, c'est sûr.
Pourquoi votre père aurait un rapport avec la disparition d'Oriana? J'ai toujours eu ma sœur à l'œil. Toujours su où elle était. Pour qu'elle disparaisse comme ça, c'est forcément lui. J'ai eu beau la cacher, je savais qu'il la retrouverait. Il n'a plus qu'elle. Je crois savoir ce qui s'est passé, mais je vous le dirai une fois que j'en serai sûre. Ça fait un bail, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me cache, d'à peu près tout le monde. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. Je ne savais pas. Je savais que je ne pourrais pas quitter Cerberus aussi facilement que ça. J'imagine, vous êtes une ennemie redoutable. Certes. Si vous cherchez une piste ici, vous aurez du mal à trouver quelqu'un en lien avec Cerberus. Certainement, mais j'ai quelques dettes à faire valoir. Quelqu'un me renseignera sur Oriana. Faut que j'y retourne. Et moi, il faut que je me cache. Soyez prudente. Je promets rien. Ok, le retour de la quête avec sa sœur. Ok. Personne d'autre qui veut discuter? J'imagine que la majorité des discussions se fait aux ambassades naines. Ah, d'accord. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Ok, j'ai une nouvelle zone. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons aux ambassades du président. Mais j'ai besoin de preuves. Je comprends parfaitement la situation. Bien sûr, je passe en revue le nom des morts tous les jours, mais... Pitié, pitié. Encore quelques minutes de recherche pourraient soulager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors... Alors nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. Ok. Bon, j'imagine que je vais devoir faire un petit tour au bar. Donc lui, c'est pour la quête que j'ai ratée tout à l'heure. Enfin, ratée. Oh, pour Izzy. Dis rien, lui, ça. Commandant Shepard, Yon Dumbo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates Anari de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneurs. Les butariens ont de la technologie de moissonneurs? Leur aide de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont feint une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les Anari sont impliqués? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens, et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des Anari de s'être enfuis avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Ah. Je lui cours après depuis des années. Kasumi, vous traquez une voleuse? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment, venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi? L'agent Anari est maintenant un diplomate en poste sur la Citadelle. Je n'ai pas son nom public, et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse.
Je suis des signaux suspects vers la planète des Anari. J'aurai besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ah, ça. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hawk ? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre ? Des infos comme leur aide d'un commando de l'Alliance sur un centre de recherche butarien ? Je me suis dit que je pouvais faire fuiter l'info maintenant. Surtout s'il y a une méduse endoctrinée en liberté. C'est dingue ce qui se passe. Je peux vous suivre en mode furtif. Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le Anari. Ce serait pas mal. Ok. Alors, j'étais venu aussi pour... non, c'était pas ça. Anne Misty pour ingénieur du Normandie. Ingénieur Ken Donnelly est en détention dans la citadelle pour avoir travaillé avec Cerberus. Les codes d'accès spécifiques des specs permettent de contourner les réglages de confidentialité et de surveiller les données bancaires, les registres, blablabla, de tous les employés de l'ambassade Anari. Pour éviter les contre-mesures de sécurité, les fichiers de l'ambassade doivent être consultés sur place. Shepard, je lis les rapports de sécurité. Regardez les transferts en provenance de l'ambassade Anari. Voyons voir. Le plan de Beau est bon. Les Anari sont prévisibles. Les utilisations louches de terminaux devraient réduire notre liste de suspects. Donc, vous approuvez Beau. Tout à fait. C'est un bon spectre. La galaxie a besoin de gars comme ça. Et le fait qu'il essaie de vous arrêter ? Personne n'est parfait. Ok. Normal. J'étais venu acheter... Voilà. Je vais acheter ceci. Ok. Ouais, c'est sûr que là j'ai tout dépensé du coup. Est-ce que j'ai moyen de changer mon inventaire ? J'imagine qu'à l'intérieur il y a ce qu'il faut. Voilà. Nouveau snipe, bah oui, tu m'étonnes. Modifié, du coup, on retire les mods sur celui-là. J'en ai. Moins 29. Ouais, je me doutais, il est ultra lourd. On va rester sur la même mode. Bon, j'utilise pas les fusils à pompe de toute façon. Ah, ok. Oh la vache. Ça a l'air intéressant, mais... pas très précis. Mais très lourd, surtout. D'ailleurs, j'ai pas utilisé de mode dessus, ok. Pour plus de balles, c'est toujours intéressant. Ok. Maintenant, il a trois. La veuve noire a trois balles maintenant. Ok. De toute façon, c'est plus la meilleure arme sur le 3. Ok. Bon, visiblement, je dois passer.
Ouais, j'ai deux quêtes en rose en fait. L'épreuve de tout à l'heure et trouver la preuve dans un dans les ambassades du Présidium. Après j'ai accès qu'à une seule ambassade. Waouh, ça c'est un plantage. Oh là là. Je peux planter aussi ce jeu. Ah, non, oui, j'étais étonné. Je vous ai déjà parlé. Ah, voilà, je m'en doutais. Okay. Bon, j'ai des pistes possibles. J'ai repéré d'étranges transferts de fonds venant de Bologne et Olun transmet de nombreuses données. Bologne et réglo. Ces transferts servent à entretenir sa maîtresse. Pour Olun, je ne sais pas. Je sors son dossier. Je vérifie les données personnelles d'Olun et je sors ses derniers messages. C'est quand même bizarre pour un Anari d'avoir une maîtresse, non? Vous savez, si Beau vous rattrape, je peux vous accorder l'immunité. Et si je vous rejoins? La dernière fois, vous m'avez envoyé sur une mission suicide. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'il fallait nous rejoindre. Vous ameniez le sujet progressivement. Je pourrais, mais ils m'ignorent. Ils ne veulent même pas croiser mon regard. Ok. Du coup, j'ai pas eu le dernier truc. Bon, je suis plus rattrapé. J'en profite pour faire une petite pause. Je reviens dans 5 minutes. Que tout à l'heure. Jusqu'au plantage, évidemment. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir. Ok, zone de rétention. Purée, purgatoire. C'est pas l'électron libre que je dois aller? Pour l'autre? Les zones signalées comme intéressantes pour vous s'affichent en surbrillance dans le menu de l'ascenseur. J'ai aucune zone en surbrillance. Un moment, mais... dans le doute. Mais dites d'aller à l'électron libre, donc je suis... Le purgatoire. C'était des réfugiés. Merde, ils sont déjà bien assez pauvres comme ça. Et l'autre quête me demande d'aller où? Trouver la preuve dans les ambassades. Ah, c'est... Faut que je reste dans les ambassades? Est-ce que faut que je me balade dans toute l'ambassade, la seule que j'ai accès, elle est humaine. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. J'ai pris la console ici. Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose sur le PC Spectre? Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vous êtes non. Ok, je sais pas ce que j'étais censé comprendre. Odina n'est plus là. Ah si, il est là. Peut-être pas là tout à l'heure. Enfin, la semaine dernière. Shepard. Non, pas rien de plus. Je dois partir. Je ne bouge pas. Non, c'était le tout des côtés, je pensais rentrer. Voilà. Des choses en plus à me dire, toi? On n'en voit jamais le bout, hein, Shepard. À ce point-là? L'ambiance est très tendue par ici. Il y a des réfugiés partout. Et toutes ces rumeurs sur la guerre. Les gens se méfient et s'espionnent mutuellement. Impossible de donner suite à toutes les dénonciations. Ça va sans doute empirer. Ouais, si ça s'arrange un jour. Ok, il déprime. Bon, visiblement c'est pas là que je dois trouver quelque chose de supplémentaire. Et personne d'autre ne parle. Ça pourrait être pire. Bon, je vais faire le tour du purgatoire. Bienvenue, commandant Shepard.
Veuillez un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons au niveau des secteurs, le purgatoire. Non. Je confonds. Je pensais que ça m'a envoyé directement au Normandie, mais non. Un autre quai, ça. Plaît. C'est pas le quai du Normandie. Nous arrivons à la baie d'amarrage E24, zone d'accueil. Bon, Olun met une pression folle pour que les Anari soutiennent les forts de guerre. Il n'est donc pas endoctriné. Et qui s'oppose à lui? Un Anari inconnu fraîchement arrivé de KG. Je vais vérifier les fichiers d'arrivée des Anari. Tout mène à la guerre, et vous tentez d'attirer tout le monde sur cette voie. Vous préféreriez voir gagner les moissonneurs? Je préférerais passer le temps qu'il me reste avec Keiji. Keiji ne voudrait pas vous voir passer votre temps connecté à ce truc. Eh bien, il n'avait qu'à pas mourir. Bonjour. Vous ne pouvez pas renvoyer des gens. Si, nous pouvons. Dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'amarrage. Attendez, je vous en prie. Ma famille est à bord. Laissez-les se poser. Je paierai. Ce n'est pas une question d'argent. Les secteurs sont pleins à craquer. Il n'y a pas de place. Vous avez laissé une Asari passer juste avant. À ce moment-là, il y avait de la place. Où va aller ma famille? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas loger quelques personnes de plus, officier? Mais pour qui vous vous prenez? Oh, commandant Shepard. Si vous pensez que c'est possible, je vais leur trouver de la place. Alors, ma famille peut s'amarrer? Le commandant Shepard dit que vous avez le feu vert. Dites-leur de se dépêcher. Merci, commandant. Merci beaucoup. Ah, de rien, j'ai juste appuyé sur l'espace. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? J'imagine beaucoup de réfugiés qui arrivent des planètes attaquées. Christophe Levasseur, ravi de vous rencontrer. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Je ne sais pas. Je suis pas à Lyon. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que j'ai fui Lyon. Vous connaissez cette ville? Non. Ok. Tenez prêt, mes frères et mes sœurs. Nous avons déjà affronté et vaincu... Bienvenue aux armes d'élite butarienne. Souvenez-vous des piliers de la force qui inspirent notre espèce. Montrez notre résolution au reste de la galaxie. Je sais que votre foi est ténue. Notre gouvernement est... Je n'ai mis à jour piliers de la force. Les piliers de la force guident votre existence. Qu'est-ce que c'est? Dans sa discussion, il m'a déclenché une quête. Un réfugié butarien a besoin des piliers de la force pour remonter le moral des siens. Reculez-les dans le nid de Milan et... J'imagine qu'il y a un système. Et... Je vous en prie. Accrochez-vous. Ils soignent comme ils peuvent. Je fais bien le tour pour être sûr de louper personne. Voyons un peu ces stocks de Medigel. Oui, chef. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôpital? Les chirurgiens sont tous occupés. Continuez. Oui, parce que la voix que je reconnaissais. Et tu le fous là, toi? Shepard. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes. Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre, c'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Et les autres, notre compassion, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille?
Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Ok. Un rapport récent indique qu'un autre vaisseau a fait mal. Combien de passagers? Vous avez une copie de l'IV Shepard? Ah ouais, c'est tout. Inspiré du héros de guerre. On l'a verrouillé après qu'un gamin a renversé des soldats sur le matos. Ça va être leur chez eux pour un mais bon on ne fait temps, tourner que la version démo. T'as pas les yeux en face de toi ou je suis en face de toi? Réagis même pas. Ravi de vous rencontrer, commandant Shepard, armée de l'Alliance. Bon, c'est pas très réaliste. Ah, il y a des gens en haut aussi. Console, forcément, c'est la console du bout qu'il fallait aller voir. Allez, Ur. J'ai obtenu la liste de tous les nouveaux Anari. Je vous l'envoie. Ben, ce sont des noms d'usage. Et les noms Anari du raid de l'Alliance sont des noms intimes. Les noms intimes des Anari sont secrets. Il n'y a pas de traces publiques. Vous pouvez écouter leur communication. Ok. On trouvera peut-être ce qu'on cherche. Comment va le reste de la bande? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Garrus donne un coup de main sur le Normandie. Je n'ai pas de nouvelles. Vous voyez, Jacob aurait pu me ramener sur le Normandie. Je croyais que vos souvenirs de Keiji vous suffisaient. Eh, je suis nostalgique, pas morte. Ok, petite sauvegarde. Ok, ils me disent d'écouter les conversations, mais par quel moyen? En fait, c'est peut-être la queue qui m'oblige à faire le tour du... de la citadelle. Bon bah je vais à notre étage. Ah bah non, c'est juste là. Okay. Bon, voici la correspondance. Si elle mentionne des noms intimes... Je l'ai. Une arrivée récente. Zimandis. Nom intime, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés. Il était avec l'équipe de l'Alliance qui a massacré les Butariens. Depuis, il est sur notre liste de recherche prioritaire. Il a donc acquis de la technologie de moissonneur. On dirait. Je vous envoie les coordonnées de son bureau. Rendez-vous là-bas. Hey. Je vous envoie les coordonnées de son bureau. Console en bas. Et comment je sais que... Comment fonctionne l'ascenseur? Le chiffre monte. Veuillez choisir une destination. Un okay. Moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la zone résidentielle du Présidium. Je crois que je ne suis visiblement pas au bon étage. À moins que je peux monter. Étage d'au-dessus. Bienvenue, commandant Shepard. Je sais quel étage. Veuillez choisir une destination. Je dois être honnête avec lui. Alors il faut le dire. 3, on prend un au milieu. Nous arrivons au niveau des secteurs, le purgatoire. Ah, je sais pas si c'est bon ou. Bienvenue, commandant Shepard. Ce serait l'ambassade. Un moment, s'il vous plaît. Il habite pas aux ambassades quand même. Ah, si, bon, allez hop. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Je reviens ici. Zimandis? Ou devrais-je dire compliment aux travaux des porte-flammes désespérés? Celui-ci semble avoir été appréhendé, mais l'isolement est inutile. La tâche des porte-flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs? Nous avons obtenu des informations sur les porte-flammes de sources secrètes. Les porte-flammes? Vous voulez dire les protéins? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéins sont devenus les récolteurs, et ces derniers servent les moissonneurs. C'est une plaisanterie, c'est ça? Et en tant que serviteurs des porte-flammes, nous devons servir les moissonneurs.
Espèce de grosse méduse stupide. Je soutiens la liberté religieuse pour tous, mais là, c'est complètement fou. Votre scepticisme importe peu. Quand les porte-flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin. Vous êtes fou. On ne peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang! Attendez! Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Pas si vite, Shepard! Aidez-le! Je m'en occupe! C'est bon, envoi annulé. On dirait qu'on... Attendez, il y a une sécurité. À terre! Elle était là depuis le début? C'était une vieille amie. J'ai l'intention de l'arrêter. Elle m'a aidé à vaincre les récolteurs et à se sacrifier pour sauver le monde des Anari. Je comprends. C'était un honneur de travailler avec vous, Shepard. Le moment venu, je saurai vous rendre l'appareil. Vous pouvez sortir. Comment vous saviez ? Un coup de chance. Pas moyen que vous me recrutiez pour cette guerre galactique. Le projet Creuset a besoin d'experts techniques. Je ne suis pas scientifique. Non, mais vous êtes la meilleure voleuse de la galaxie et vous avez un don pour comprendre les technologies étranges. Vous seriez utile. Et pensez à toute cette technologie hors de prix qu'il y a là-bas. Et c'est pas comme s'ils allaient vous fouiller à la fin du projet. Vous savez parler aux gens, vous. Je marche. Genre, ça passe. Contente d'avoir retravaillé avec vous. Ok. Ah bah du coup ça fait deux ressources de guerre. Voire même trois. Unité de spectre. Fait rien. Force Anari, Hydrael. Ok. Qui me remercie de... Diplomatie Anari, ok.